Chers frères et sœurs, bonsoir. Son plaisir pour nous commencer avec vous après-midi qui c'est sabbat 8 juillet pour nous capables ensemble introduire le son pour semaine. Nous invitons au BCT tout pour nous prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans celle-là, merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu pour opportunité nous tenir pour nous capables offrir un culte jeudi à. Alors que Seigneur Dieu nous prale ensemble introduire le son pour semaine. Que nous capables imprégner nous de cet esprit de manière à ce que nous capables comprendre et mettre en pratique tout ça que nous prale étudier après-midi avec nous. Dirigez-nous, nous pardonne pas dit nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous étudions une nouvelle leçon, c'est troisième leçon. Eh bien, titre leçon, c'est la puissance du Jésus exalté. Nous vous bienvenue encore une fois. Nous prale ensemble introduire leçon ça pour semaine qui gagne pour titre la puissance du Jésus exalté. Déjà, là, on parlait de Jésus exalté, nous, ouais, que, nous t'es capable de dire Jésus glorifié tout. Eh bien, c'est Jésus, là, li fin mouri, li ressuscité et li monté à droite papale. Parce que, pas oublier que, et tout l'univers t'a gardé, scène ça, t'a gardé gros événement ça, à côté que, le personnage, un personnage de la Trinité, Jésus, que bon Dieu lui-même, li choisi, en tant que défenseur de l'humanité, moun ki pral mouri pour l'humanité, eh bien, nous voyons que son bagay qui pour aux jambes fait. Parce que pas oublier que la Trinité, bon Dieu immortel. C'est-à-dire, qui ça pral passe si yon fois yon nan moun sa yo, yon détaché yon de l'autre? Nous avons la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui ça pral passe si yon détaché? C'est-à-dire que tout l'univers, c'est comme si son gros match football, son dernier et son final qu'a joué, et que l'univers a contemplé, a regardé ça qui a passé, parce que pour aucun monde connaît qui j'en s'appelle fini. Bon Dieu, bien entendu, qui omniscient, omnipotent, connaît ça qui j'en s'appelle fini. Mais l'univers a regardé qui j'en s'appelle passé. Eh bien, effectivement, nous voyons que Jésus vini, l'y mourit, et l'y ressuscité, l'y monté à droite papale. Donc, c'est Jésus ça que y a parlé dans la leçon, je dis Jésus exalté. On nous garde ensemble verset à mémoriser. Verset à mémoriser dit nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit, c'est-à-dire à travers le Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit, les croyants peuvent connaître. Ça veut dire que nous-mêmes à travers le Saint-Esprit nous capable connaître. Qui ça capable connaître? Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire que à travers le Saint-Esprit, c'est traduit n'importe qui capable traduire verset à mémoriser pour vous capable comprendre. À travers le Saint-Esprit, nous-mêmes qui croyons, nous capables ouais infinie grandeur puissance bon Dieu. Il y a une puissance qui manifestée avec efficacité à travers force les pouvoirs. OK, avec efficacité. Il dit nous comme ça, il déployer en Christ. OK, il déployer toute puissance, li, toute grandeur li, en Christ. Alors que il ressuscité des morts et il fait chita bon côté dans les lieux célestes. Et bien ça c'est Jésus ça va parler nous. C'est bon Dieu ça va parler nous qui extrêmement puissant. Côté que nous-mêmes qui j'en nous capable contempler ça, c'est à travers le Saint-Esprit. Et bien c'est ça que verset à mémoriser a dit nous qui c'est Éphésiens 1er verset 19 et 20. Prends encore le soin pour lire pour capable comprendre d'autant plus, mais ça doit et saisi dans verset à mémoriser, c'est que à travers le Saint-Esprit, vous êtes capable de contempler la gloire de Dieu. Vous êtes capable de voir qui Jean lui-même est grand. Vous êtes capable de voir qui Jean lui mette en action mystère ça. À savoir la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et l'exaltation de Jésus et dans les lieux célestes. Eh bien, il continue pour introduire le son. Qui ça vous dit nous? Il dit nous que les êtres humains sont toujours à la recherche de bagailles qui puissants. OK, par exemple, il fait mention de un constructeur automobile qui c'est Devel Motors qui par exemple t'a fait un prototype de une machine qui était le Devel 16. Et bien machine ça et il était un moteur 16 cylindres la donne, son machine il était capable consommer 12.3 litres de gaz de carburant. Et bien il était capable déployer une puissance de 4000 kW. OK? Ou bientôt nous allons considérer l'autre machine toujours qui est très performant. L'un prend par exemple un semi-camion qui est le Peterbilt qui lui-même il a trois moteurs sous lui, trois moteurs à réaction. C'est pas petit moteur petit. Eh bien nous voyons que il a une puissance de 27 000 kW.
encore plus performant que premier ça nous cité a. Et bien nous son camion qui fait environ 500 mètres, OK, et en 6 et donc en fait camion ça son camion qui a fait 500 mètres en 6.5 secondes. C'est-à-dire en 6.5 secondes on compte 1 2 3 4 5 6 7 moi même fin compter 7 même il est arrivé 500 mètres. Il a parcouru 500 mètres. Ça veut dire que c'est des machines qui sont très puissantes, extrêmement puissantes. Ça veut dire parler de capacité humaine pour créer des bagages qui puissants. Eh bien, dans temps l'apôtre Paul là, eh bien Paul lui-même lui t'a prié pour croyants Éphèse. Pour qui ça? Parce que il était ouais que monsieur Damio était tenté à travers les diverses puissances et les divinités de leur culture. Ça veut dire que pas oublier que à Éphèse t'es gain pile magie, t'es gain divinité, une divinité et que yo t'es con adoré c'était Artemis, c'était ça dans le son passé que t'es les Diane tout que Romain t'es les Diane. Eh bien monsieur dame ça yo pas oublier t'es gain pile livre magique que t'es gain la caillou que t'es boulé, nous t'es ouais ça tout. Eh bien nous ouais que yo toujours chercher puissance tout. Eh bien, nous voyons que Paul t'a prié pour yo parce que li te vle que yo fon expérience de yon puissance qui encore plus grand, qui c'est l'expérience par l'Esprit Saint pour capable voir à travers l'Esprit Saint l'immensité de la puissance de Dieu que bon Dieu mettait à disposition en Christ. Eh bien, ça pas différent pour nous-mêmes tout en Haïti. En Haïti, nous et gen presque tout côté en Haïti, moun yo a servi loi. Yo connaît ça qui est le vaudou. Y a et adoré faux Dieu. Eh bien, moun sa pa konnen ki puissance qui gagne dans Jésus. Eh bien, lè que gen diable racial dans famille et que ou même diable a dit pa reconnaître ou parce qu'on servi bon Dieu, son puissance que lié. Lorsque que ou son monde qui franc, qui a servi bon Dieu avec tout cœur, qui fidèle, eh bien, baka pa gen pouvoir sur ou. Ça dit diable pa gen pouvoir sur vous. Yo met a fait toute sa affaire pa melo la donne parce qu'on est depuis melo la donne l'a gâté. Eh bien, c'est force ça yo que l'apôtre Paul l'immunité voulait que Éphésiens même yo expérimenté. Alors que monsieur était quoi dans pile magie, yo t'a réciter des utiliser des livres de magie pour capable faire des prières pour capable attirer faveur de faux dieu ça yo. Alors que Paul l'immunité voulait enseigner au Jésus-Christ. Eh bien, nous puissance divine ça li pas mesuré en kilowatt, li pas mesuré en magie, mais nous capable voir dans tout événement histoire salut qui changeait et cosmos là, qui changeait l'univers, qui c'est la résurrection de Jésus, son exaltation sur le trône de Dieu, la soumission de toutes choses à Christ. OK, et quatrièmement nous capable voir Christ étant donné pour être la tête de l'église selon Éphésiens 19 verset 23. Eh bien, là nous considérer quatre événements ça yo. Moun qui croit ou même qui croit frères et sœurs, capable commencer à saisir et expérimenter la vaste portée de la puissance de Dieu que bon Dieu lui-même puissance à que exercer en faveur nous. C'est dit le son aujourd'hui dit nous la puissance du Jésus exalté. C'est ça nous allons étudier pendant ce moment. Nous allons voir qui puissance qui gagne dans Jésus, puissance qui gagne dans et Jésus ça a qui t'est mouri, qui ressuscité et qui a droit de papal. Pas oublier Lila Nancela en tant qu'avocat pour nous. Lila Nancela en tant que souverain sacrificateur. Lila en tant que monde qui a fait l'expiation des péchés. Lila en tant que monde qui a recevoir prière nous. C'est avocat nous, c'est au nom de Jésus son représentant que lié. Eh bien, c'est tout ça que nous parlons étudier pendant ce maintenant. Nous espérons toujours là, toujours étudier ça avec nous chaque jour. Mais c'est comme ça nous introduit le son. Hein? Si vous même vous avez des questions, vous avez posé, vous avez d'autres commentaires, vous avez fait, nous sommes contents de répondre, nous sommes contents de partager ensemble. Eh bien, nous avons commencé par la prière, nous avons fini par la prière. Éternel Dieu, Papa, nous qui sommes celle-là. Merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu, parce que vous faites pour nous des choses qui sont extraordinaires. Merci Seigneur Dieu pour Jésus. Jésus exalté, Jésus glorifié, qui est notre représentant dans le ciel, qui est notre souverain sacrificateur, notre avocat. Et bien, Seigneur Dieu, que le sacrifice de Jésus est capable de faire sens dans la vie de chaque monde, dans la vie moi, dans la vie monde qui a étudié ça avec nous, dans la vie frère ça, soeur ça, Seigneur Dieu, qui dans moment ça a besoin d'entendre parole ça, qui dans moment ça a besoin de sentir réellement que Jésus lui-même est à l'œuvre dans la ville. Seigneur, fais pour nous de la de mérite, guéris-nous, Seigneur Dieu.
guéris les malades parmi nous, guéris les affligés parmi nous, Seigneur. Fais pour nous de là de mérite nous, Seigneur. Déjà nous pas gagner, mais si nous prions, Seigneur, petit tout Jésus qui vit qu'elle au siècle des siècles. Amen. Merci encore une fois. C'était fort Ismaël Chéri. Que bon Dieu bénisse.